Ok. Comme ça, comment c'est ce petit chez toi? Bah, pour l'instant, c'est le bordel. Mais on commence à avoir. Moi, j'ai presque mon setup qui est fait. Faudra juste changer deux écrans LPC, rien que ça, et mettre des trucs pour le son, mettre le fond vert et mettre des éclairages. Ouais, bon, en fait, j'ai juste le bureau. Et sinon, la chambre, on a bien avancé. La chambre, c'est déjà quasiment fini. C'est sympa cette petite fenêtre pour surveiller Molly et Rick. Et oui, pour regarder en dessous. Mm-hmm. Ah, what-elle, que fait-elle? C'est lourd une table de billard. Alors après, c'est pas des. Ce qu'a Link Kalitz, vu le prix déjà, ça doit pas être un vrai billard. Crane, tu vas vraiment faire un live billard, pourquoi pas? Sinon, il y en a plein sur ce site. Bah, j'irai voir. Je te remercie, Pogo. J'ouvre le lien. J'ai retrouvé le lien. Ah! Ah, celle-là! Ah, celle-là, il y a un système de rallonge. Parce que c'est vrai qu'elle est kikou. Elle est kikou. Mais c'est. Ah ouais, le système a l'air très kikou. À voir. Avoir The Marcus. Ok, c'est celle-là. D'accord, ok. Bah, je l'avais d'ouvert en plus. Je l'avais gardé d'ouvert. Mais j'avais pas compris qu'il y avait une rallonge. Non, mais non, elle fait 84 cm de large, celle-là, la Bursta. Je l'avais vu. Alors, attends, le bon coin. Table billard. Oh, table billard qui fait table ping-pong. Oh mon dieu. Grande table pouvant recevoir 16 couverts en plateau. Mais là. Miné stratifié. Elle fait 1m30 par 2,56. Transformable en table de ping-pong, raquette et filet dans l'offre. Le plateau est posé sur un billard français. Longueur 2m10, largeur 1m14, hauteur 75 cm, lui-même posé sur un. Oh non, mais c'est un billard français. Bah non. C'est triste, c'est un billard français. Je vais pas faire du billard français. Ah oui, l'autre, celui de Khalid, c'était quoi? C'était du billard quoi? Non, c'est pas lui. Attends. C'est pas du billard français. Non, c'est pas lui, il est français. Tout va bien. Tout va bien. Ah, c'est dommage. C'est dommage, elle était sympa. Après, c'était en vente où aussi? C'était en vente à l'autre bout du monde. Ah, mais non, c'était en vente pas loin en plus. Un live billard avec Usul et Maillard sans pantalon, ce sera comme dans la dernière vidéo de Bob. Et Crane, la table de billard Kalin Kalitz est à monter, donc ça peut le faire. Oui, j'avoue que la table de billard à 400 et quelques euros Kalin Kalitz, j'hésite, hein. Billard convertible 529, ça reste un bon prix aussi. Et ça fait quelle taille? 111. Ouais, c'est ça, ça a pas l'air grand en largeur, hein. Mais je pense que la chaise, ils l'ont rajouté à l'arrache par dessus. C'est pas hyper large, hein. Je sais pas. Bye Game Obvious. Je sais pas si c'est une bonne idée. Terminos qui nous met un ligne 2, 3, 1, table à manger, carambo massif, d'acacia rallonge. Ah, ça a l'air bien aussi, ça a l'air bien. Alors fais voir comment ça se rallonge. C'est quoi le système? Oh, c'est un système bien foutu. Elle est cool celle-là, elle est très très cool celle que tu as Link. Attends, c'était pas déjà une qu'on avait déjà Link ou pas? Non, celle de... Ouais, très très cool. Par contre, j'ai pas vu la taille. C'est quoi la taille? 140 par 140 et elle monte à 180. Bon, par contre, elle monte que à 180, mais c'est déjà bien. Bye, Calibri. Crane, si tu trouves un menuisier au black, tu as moyen de le faire une table simple mais originale pour trop cher, je pense. Et original pour pas trop cher, tu veux dire? Les streams de la vie réelle où Crane et Modi nous montrent comment monter les meubles et les Lego, cuisiner prochainement, comment s'occuper des dindons avec amour. Salut, Ravinida. Tu dors dans un lit ce soir? Oui, oui. On n'est pas encore. C'est mon ancien canapé. Qui a un très bon couchage que j'avais acheté l'occasion à un pote, et le truc c'est qu'il a deux sortes de matelas dedans, mais normalement il y a une grosse housse qui rattache les matelas et qui permet qu'il soit pas trop mou, mais ça on l'a pas. C'est ma maman qui l'avait pris pour la nettoyer et parce qu'elle était un peu abîmée, et du coup là elle m'envoie un colis avec plein d'affaires qu'elle avait pris. Elle me dit que le colis fait 18 kilos, j'espère que tu seras chez toi quand ils vont passer. J'espère aussi, parce que ramener les 18 kilos de la poste, ça va être sympa. Non, mais il y a des tables sympas. Regarde celle-là, 599 euros. Ouais, Link, des trucs plutôt cool. 180 à 200. Ah oui, non, mais brillant blanc par contre, ça va. Et elle fait combien de large? Ah, elle fait que 100. Non, 100 c'est trop petit, mais sinon, ouais, c'était sympa. Donc non.
Après, c'est en métal et en verre. Non, métal et verre, ça, c'est pas possible. Ce n'est point possible. Les tables ovales en bois, bah pourquoi pas une table ronde qui devient une table ovale. Je suis pas totalement contre, mais c'est vrai que... Je sais pas. 140 par 190. Elle est quand même très très moche, celle-là, Maeldras, mais... Moi, je la trouve pas belle. Mais oui. Bon, je vais laisser ouvert aussi. Il a dit Kikou. Kikou ? J'adorerais voir Maudit débarquer dans la pièce avec Crane en pleine partie. C'est pas ce que tu crois, je cherche une table, en fait. Crane, j'ai remarqué que le message long attire ton regard, du coup, blabla. Bah, bravo ! Bravo ! Les standards d'une table, c'est 90 de large, et oui, malheureusement. Non, pas billard français. Moi, je veux un snooker. Trouvez-moi un snooker table. Les Français ont réussi à rendre le billard chiant en enlevant les trous, c'est triste, j'avoue. Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui s'amusent bien. Bonne nuit, Joel's Ice, Jules Ice. Je vais faire un poker, salut. Oh bah tiens, tout à l'heure, j'ai retrouvé en ouvrant des cartons mon coffret de jetons de poker. Il est tout abîmé, il est tout cassé. Bonne nuit, Pendragon. Premier booster, hop hop, le crapustule X. Ah bah, il y en a qui ont de la chance, quoi. Achète une vraie table simple, pas chère. Bah oui, c'est ce que j'essaye de faire. Ah, la chouette qui nous en a trouvé une nouvelle. Alors, table extensible, 150-230. Mais elle fait 90 de large, ta table. Mais vous arrêtez de me mettre des tables à 90 de large. Mais c'est gentil de regarder. Crane, à son retour de Montréal, Maudit, elle a géré tout de suite le décalage horaire ou quoi? Bah oui, on était calé, on a gardé un peu le même rythme. Non mais Maudit, elle dort. Hein, c'est pas un souci. C'est voilà. S'il faut dormir, elle dort. Y a pas de problème. Sinon, si on trouve les 5 prochains numéros du loto, ça peut t'aider. Ça fait quoi, 5 numéros? C'est pas mal. Il y en a 7 en tout. Je sais pas ce que tu gagnes avec 5 numéros. Dis-tu qu'il le colis. Crane, rêve même pas. Tu auras la vie de passage dans la boîte aux lettres. Yop, Falco. Bah ça va bien, je te remercie. On va voir sur Billard de France, non mais là ça va être trop cher. Bye Trimoya. Et oublie pas de t'acheter Overwatch. Oui, il veut l'acheter Overwatch. Non, t'en prends doute, 70$, oui. Je me suis foiré à cause de leur indication sur les rallonges. Eh oui, la chouette, voilà. Voilà, tu t'es fait avoir, tu t'es fait avoir. Non mais vous m'en avez ligne des sympas, hein, des très très sympas. Hein. Attends, ils sont où? Ah non mais voilà. Alors il y a celle de Cdiscount qui monte à 190, qui est à 529 au lieu de 1085, qui est pas mal du tout. Bon après c'est Cdiscount quoi. Livré dès lundi 27/06. Oh, genre, attends, on est combien là? Je peux pas cliquer là-dessus. Tu veux pas? Pourquoi je peux pas cliquer sur... On est le 12. Donc dans 15 jours. Celle-là est livrée dans 15 jours. L'autre. Celle-là, à 572. Au lieu de 752, elle est livrée. Elle fait 150 et elle monte à... Livraison 7 à 17 jours. Disponibilité 2 à 3 semaines. Oh bah non! Livraison entre le 2 juillet et le 19 juillet. Oh cette tristesse! Cette tristesse de la livraison. Alors la table billard, elle est livrée quand? Le délai de livraison vous sera confirmé dans votre panier. Vente unique. DE vous livre dans toute la Belgique. Oh bah non, bah voilà. Voilà, bah oui, oui vous, Khalid, c'est une ligne des trucs qui livre qu'en Belgique. Hein? T'es fier de toi? Pour Overwatch, tu dois l'acheter, mais t'es pas obligé de le streamer, c'était pas dans le message. Et puis il y a des sites où il est pas cher. Tu trouveras pas de table à manger de plus de 90 et long, car au niveau de proportion, ça le fait pas. Crane, t'as déjà vu les tables magiques rondes extensibles qui tournent sur elles-mêmes? Oui, mais c'est trop beau. C'est trop beau, mais ça vaut des prix indécents. Bon, voilà. C'est fini pour la table billard. GG Khalid. Celle-ci, mais il n'y a pas le prix. Non, mais voilà. C'est une ligne des trucs. Cocktail sanguinave FR, table Hardfor. J'ai très très peur. Le site a du mal à le charger, ma connexion internet n'est pas assez rapide. Alors, donc il y a celle Cdiscount pour l'instant qui est pas mal du tout. Hein. Mais j'aurais bien aimé voir comment ça fonctionne leur système de rallonge.
Tac, tac, t'as celle-là, elle est livrée quand celle-là? On peut pas savoir. Bon, bref, j'en sais rien. Pour répondre à ta question, Crane 5 numéro loto rapporte plus de 100 000 euros, ce qui représente une dizaine de tables de qualité. Pour 4 numéros, t'as juste 830 euros, vive la logique. Oui, donc 5 numéros, ça m'intéresse, oui, oui. Elle est chère, mais tu auras la classe. Allez, vas-y. C'est quoi? C'est cher comment? Un titre sympa qui présente les dimensions standard des tables. En fait, le chat, finalement, il s'est installé dans quel coin, Crane? Je suis à côté de... Je suis à Lyon, toujours, mais pas très loin de Perrache. Est-ce que vous entendez le... Ça m'arrangerait que vous l'entendiez pas, parce que c'est la... C'est la VMC de la salle de bain. Alors, celle-là... Expédition prévue le mardi 14 juin. Oh là! Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Ah oui, mais c'est celle que je trouvais un peu moche. Mais ils l'ont en stock. Mais elle est un peu moche. Et l'autre, celle-là, elle était très jolie. Livraison quand? Quand est-ce qu'on voit que tu livres? Disponibilité. En stock. Oh, mais c'est beau. Attends, il y en a plein là qui sont en stock. Il est bien ce site. C'est quoi ce site? Et celle-là, disponibilité. Délai moyen 5 semaines en laqué. Ah non, mais c'est tout laqué. Laqué, ça va être. Et en, les autres, elles sont en stock. Ok. Non, pas de zzzz. Je croyais que c'était Maudit qui ronflait. Crane un lyonnais, oui. Ok. Alors, sur le site mobiliermos.com, il y a de la disponibilité. Et ça, pourquoi je suis sur truc cocktail, je sais pas quoi. Ah, mais c'est la table. Attends, non, je suis perdu. C'est quoi la table qui a la classe? Crane, désolé. C'est mieux avec le site français. Non, mais non! Mais non. Attends, livraison. Le délai de livraison sera confirmé dans le panier. Alors, faut ajouter au panier. Attends, j'ajoute au panier. Et qu'est-ce que ça dit? Alors, estimation des frais de livraison. Livré sous 8 à 9 semaines. Et non, pas de table billard. 8 à 9 semaines, c'est non. Tu as vu le poids de la table? De quelle table, Gwenaël? Mais je suis perdu, là. Combien de temps que tu vis à Lyon, Crane? Des années, des années. Une dizaine d'années. Crane, voir 450 personnes qui parlent de table, c'est beau. Mais oui, un soir de 3. Et ça, on a dit quoi, ça? Attends. La description complète. Expédition prévue le mardi 14 juin, donc ça c'est cool. Repent Dragon. Ah, moi j'aime bien celle-là. Hein. Mais ça, et ça c'était quand la disponibilité? Ça disait quoi? En stock, donc rapide. J'aime bien celle-là, je la trouve jolie. Mais elle est pas aussi grande que ce que j'aurais aimé. Elle monte à combien celle-là? Description. 140, elle monte à 180. C'est joli, elle était jolie celle-là. C'est chiant, c'est dommage, elle était jolie. 180, c'est un peu juste. Tu vas aller au Meltdown de Lyon, Crane? J'y suis jamais allé. Salut Crane, alors tu... Ça y est, tu es installé, je débarque. Tu cherches quoi comme table? Une table carrée 140 par 140, si possible, et qui sera longue jusqu'à genre 2 mètres, 2 mètres 20. Demain, on se fait une soirée chaises. C'est vrai qu'il va falloir les chaises, mais les chaises, de toute façon, ça... les chaises, je suis obligé de les tester. Je sais pas comment je vais faire, mais je suis obligé de m'asseoir dessus pour savoir. Crane, c'est mieux 8 à 9 semaines de livraison ou 8 à 9 semaines à demander laquelle tu vas acheter? Non, mais là, c'est bon, je vais prendre une décision dans les jours. Non, mais là, vous m'avez mis des trucs que je peux directement commander. Si tu y vas, je te paye une bière canne avec grand plaisir. C'est gentil. J'ai raté quelque chose. Ah, une prospection de table potentielle de folie. Prochaine conf de l'E3, c'est Bethesda dans 4 heures, d'accord. Plus à quelle, mais dans les liens, il y avait une table à 116 kg. Ah, attends, elle fait combien? C'est la 116 kg? On va le dire, non. Il n'y a pas le poids. Mais la polaire... Elle est en quoi? Elle est en bois massif d'acacia. Ouais. Ouais.
ça veut dire que dans un magasin de chaises, tu testes toutes les chaises, mais grave. Puis une table billard, c'est minimum 1200 euros. Livraison en 4 semaines, si tu trouves un truc plus cheap, ça ne vaut pas la peine d'acheter à cause de la qualité. Elle est jolie et 4 semaines seulement. Et elle est rallonge ? Elle est pas rallonge ta table ? Elle n'est point à rallonge, ça ne marche pas. Ça ne marche pas la chouette. Ou alors j'ai pas vu les rallonges. Ken, tu joues pas ce soir en fait ? Non, non, je cherche une table. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Du coup, non. Alors, qu'est-ce que j'ai gardé ? Celle-là, celle-là, la table billard, non, celle-là, elle est moche. Ça, non. Ça, ça, si. Ça, alors celle-là, on avait dit quoi, ça ? Table carré Hartford, qui avait pas de prix. Quoi, 80 kg, mais c'est hyper lourd. Mais c'est lourd, sa maman, quoi. Plus allonge de 45, ça fait 185, c'est pas terrible. On peut zoomer, on va zoomer. Non, mais c'est basique de chez basique. Ça coûte combien ? Bon allez, on va dire que non. Et ça, c'était quoi ? Quelle dimension de table pour vos convives ? C'est la largeur nécessaire par personne pour être à l'aise stable, il suffit donc de multiplier ces dimensions pour faire un minimum de votre table, ok. Ok. Puis c'est une table simple plus grande planche qui sert de rallonge, fonctionne bien. Non, je cherche une table, m'a tué. Bah, j'espère que tu trouveras, merci. Ken sur son chat, immeuble. Ok, je sors, et oui. Et en occasion, moi, l'occasion, ça me va, hein. Le problème, c'est aller la chercher. Mais non, ça va pas, ça. On me l'a déjà link. Ça va pas. C'est pas assez large. C'est pas assez large, Al-Rian. Non, mais elle est grande. Moi, il me faut que ce soit large. Il faut que ce soit minimum 120. C'est laquelle qui pèse 100 et quelques kilos ? Ah, c'est celle-là. Ah oui, 116 kilos. Ah oui, non. Non, non. Non, non, 116 kilos, la table. Même si elle est kikou, mais non. C'est dommage, elle fait 200 avec la rallonge, celle-là. Elle était bien. Elle était bien. Oui. Ah, attendez. Ah, ça va. J'ai cru qu'ils étaient fait mal. Bon, je m'inquiète, moi, maintenant. Parce qu'elle me voit... par la trappe en dessous. Donc elle vient de dire que c'était le plan le plus ridicule qu'elle ait jamais vu. Voilà, voilà. Alors, billard de France, tout ça, Bora Bora noir, ok, je regarderai après. Ça va être Atlanta chez Conforama, t'intéresse pas. Bah j'ai hésité à Atlanta, c'était 130 sur 130. En fait, Villain-Belge, c'était la Brest que j'ai vue, et il n'y a pas de rallonge, même si le site le disent, ils sont trompés. Et l'Atlanta, elle est 130 par 130. Et le truc, c'est que c'était 4 semaines de délai. C'est ça qui m'a fait dire non. Mais c'est vrai que l'Atlanta m'intéressait à la base. Bonne nuit à l'Union. Je me lance dans la construction de la table basse Ikea Lac. Je vous garde en fond sonore. Ah, mais tu vas pas te coucher. Ça marche. T'as essayé les vieilles tables en bois, genre MAE, c'est vrai. Ouais, mais je suis pas véhiculé, c'est le gros problème. Hein. Sinon, je peux vous assurer que j'aurais été chercher en brocante. Ah, attendez. Pour vous qui met une des 3 Suisses, c'est quelle largeur ça ? Alors, 140. Mais non, c'est 80 cm de largeur. Mais non, mais faut. Mais vous arrêtez de me mettre des tables pas larges. 140 par 140 extensible à 190. Oui, celle-là, je l'ai déjà. On me la link tout à l'heure. Oui, oui, c'est la. L'Atlanta, vilain belge, elle est pas mal. Il y a des rallonges achetables, ce qui revient hyper cher en fait. Oui, ça fait la table, je crois, à 500 ou 600 euros avec les rallonges. Ça, voilà. Crane, je connais un très bon ébéniste qui peut te faire une bonne table à la dimension que tu veux. Ouais, mais avec un système de rallonge, je sais pas. Crane qui parle au sol, s'inquiète. Hein. C'est quoi celle-ci ? Non, mais cocktail scandinave, à chaque fois, il n'y a pas les prix. Est-ce que vous me linkez ? Ah si, là, il y a les prix. La table plus deux allonges, 495 euros. Ça a l'air bien, ça. Est-ce que c'est de la bonne qualité ?
Donc celle-là, oui, non, ça, j'ai déjà cliqué dessus. Maudit est si petite que ça, Kané, oui. Du coup, elle peut te voir quand t'as pas de pantalon. Là, je l'ai mis, hein, pour le moment. J'en ai un. Du coup, le trou trap a son utilité, c'est ça. Non, mais je l'avais vu celle-là, mais c'est un billard français, coup de cas. Vous êtes connu comment avec Maudit, c'est pas trop indiscret, je vois pas comment deux Twitchers peuvent se rencontrer. Alors, je crois que c'était à la période Isaac, et tout a démarré, je crois, sur le chat de Molfried, où elle a dit non, mais Crane, il est gentil, Kappa, mais genre, oui, il est gentil, voilà. Et du coup, mais ça avait rien à voir, je la connaissais pas, quasiment pas. Et du coup, après, je lui ai envoyé des bâches parce que ça m'avait, j'avais trouvé ça désagréable. Et elle m'a renvoyé des bâches derrière. Et puis, on a discuté à coup de kappa. Et puis, voilà. En tout cas, je suis content pour toi que tu aies, tu aies un nouvel appartement. Crane, ça te change l'autre qui doit être en mode piscine. J'ai vu, là, j'ai été voir, ils ont vraiment détruit tout le plafond. Et j'avais une salle de bain basse de plafond. Et je pensais que c'était parce qu'il y avait des tuyaux ou autre. Et en fait, en détruisant, ils se sont rendus compte que non, il n'y avait rien. Que c'était une ancienne comble et qu'ils auraient pu faire une salle de bain avec un plafond normal dès le début. Oui, ça fait peur. Tu veux leur dire bonjour? Non. Tu veux un bisou? Mais ça va être compliqué. Attends, tu veux que j'enlève la webcam? Hop, hop, hop. Voilà, il ne voit plus rien. Et hop, ils n'entendent plus rien non plus. Et me revoilà. Hop, je suis là. Deux tables étroites l'une à côté de l'autre, c'est pas plus simple. Non, c'est chiant. Je veux vraiment un truc stable. Je veux un truc stable. Tu sais qu'avec les chaises, tu vas double prix presque. Et puis elle est... Moi, je m'étais donné un budget de 800 euros, table plus chaise. Je pense que je crois au Père Noël. Je pense que je crois au Père Noël. Toujours mesurer une pièce avant d'acheter un meuble. Ça, c'est déjà fait. Ma pièce, elle est immense. Elle fait 27 mètres sur 42. C'est quelqu'un. Yep, Sorakun. Salut, Miss Lily. Moi, Crane, je connais pas les bénistes ni de bons plans. Et comme je bosse là, j'ai pas le temps de chercher des tables pour toi, mais le cœur y est. Donc c'était un message complètement inutile. C'est pas grave, c'est gentil. Crane, ça c'est la puissance du Kappa, c'est ça. Respire, Cosmo. La censure de la tristesse. Bah oui, mais si elle est pas à l'aise pour le moment. Même si. Ça se voit quasiment. Bon, la danse, si, quand même. Mais le reste, ça commence à bien guérir. Crane, caverne d'Ali Baba. Ouh là là, que se passe-t-il? À la carte. Non, mais c'est beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher, ton site, The Marcus. T'as vu le prix? T'as vu le prix des tables? La table la moins chère, elle est 1149 euros. Ça n'arrivera point. C'est trop cher. Pourquoi t'es aussi près du mur? J'avais l'impression que t'avais de la profondeur dans ta chambre. Ton bureau est profond. Non, mais c'est une nouvelle pièce. Et ici, vous aurez... Plus ça va, il y a quand même... Regardez, il y a de la distance. Bon, il n'y a pas énormément de distance. Mais vous aurez le fond vert derrière. Ah, si vous aviez vu le fond vert de Adato, lui, sa chaise, il touchait carrément le fond vert. C'est beau de croire encore au Père Noël à 34 ans. Et oui. Non, mais moi, je m'étais dit 800 euros, une table et des chaises, c'était bien. Mais non, que dalle, que dalle. La table de cocktail scandinave que je t'ai linked fait 74 kilos. Mais c'est hyper cher, mais d'un autre côté, ça veut dire que c'est de la qualité. Toujours mesurer un meuble avant d'acheter une pièce, exactement. Tu devrais limite regarder du côté des tables de réunion qu'on utilise dans l'entreprise, mais le prix par contre, ouais, non, c'est beaucoup trop cher. Oui, j'ai déménagé à Calendar. C'est mon premier stream dans le nouvel appart. Je suis suisse, ces prix, c'est normal pour moi, je suis désolé. Enfin, non, je suis pas désolé en fait. C'est toi qui es désolé, hein? Non, mais. Je suis désolé de pas mettre 1200 euros dans une table. Salut, Rumkiller. C'est le bon coin, oui, mais le bon coin, il faudrait pouvoir aller chercher. Dites les gens, est-ce que vous avez le code, les codes de Pokémon Online? Je sais que vous les avez donnés hier, mais je m'en rappelle plus, merci. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... Non, j'ai oublié. Bienvenue chez toi, merci beaucoup, Calendar. Car je pense que tu peux faire appel à un ébéniste, vu que tu es très chiant pour trouver une table à ta convenance. Là, tu pourrais faire avec des rallonges.
Alors la chouette qui me link une autre carré. 791 par contre. Hein. Et elle fait combien celle-là en dimension? 140. Table à manger seule. Il y a des rallonges? Extensible. Et elle monte à 190. Ouais. Oh, le classique. Pourquoi pas? Elle 100 euros juste pour le transport. Au pire, tu trouveras. Bon, à part Crane, ça fait une paye que la petite souris est pas venue me filer des pièces. Si je la trouve, je vais la choper par la queue, la montrer à ces messieurs. Mais qu'est-ce que je raconte? En effet, qu'est-ce que tu racontes? Salut Discab. Toujours acheter une mesure avant de meubler une pièce. Crane, petit HS, t'as vu le trailer du nouveau Call of Cthulhu? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Mais j'ai été déconnecté un petit peu de tout ce qui... depuis vendredi, quoi. Je sais pas si on te l'a déjà montré, mais... Alors, si c'est celle à laquelle je pense... Bah, c'est... Ah, attends, non, celle-là, on me l'avait montré ou pas? Non, produit épuisé. Bon, par contre, me linkez pas les produits épuisés. Salut, la roulotte. Ah, coup de cas. Oui, non, mais non. Elle est beaucoup trop grande, ta table. Puis, elle est pas large. Elle est pas large. Ah, profondeur 120, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais du coup, maintenant, je sais qu'il me faut du 140 minimum. 120, ça va pas. Par rapport au truc qu'on m'aligne à côté. Mon père me disait, je suis sûr que si je lui demande de gentiment, il te la fait de la table. Par contre, je suis sur fougère et pour te l'emmener à Lyon, ça va être galère. J'avoue. Non, c'est gentil. Crane Live, elle est en chaîne massif, madame. Quelques liens Crane des alentours de Lyon. Que les poser dans une donnerie. Produit épuisé, on dirait moi. Non, mais là, je pense que j'ai de quoi faire avec ce que vous m'avez link. T'as celle-là qui est chouette. T'as celle-là que... Non, celle-là, je vais l'enlever parce qu'elle me plaît pas. Elle est plus chère que les autres. T'as celle-là où faut voir. T'as... Alors, la table billard, c'est quoi le principe? 1290, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher. Un petit peu cher, et ça fait quelle taille une fois que c'est refermé? Mmh. 1m20 de large. Mmh. Putain, c'est bizarre, ça paraît petit. J'ai l'impression que tu peux pas mettre deux personnes. Ouais, il doit falloir du 140. On peut les voir, Crane? Voir quoi? J'ai déjà oublié de quoi je parlais. 4 heures là qu'on fait. Ah oui, dans les étapes que j'ai. Oui, attends. Oh oui, je peux vous montrer. Tu me montres ta shortlist. Oui, attends. Pourquoi ça, ça me dit que ça n'existe. Ah oh, attends, il y avait des trucs que j'avais pas vu. Quelqu'un qui m'avait mis une table repas slide ED avec des. Non, mais ça, c'est une table qui coûte. Non, mais c'est quoi ce site? 1950 euros la table. Un petit peu cher. Un petit peu cher. Juste 4 fois le prix que j'aimerais mettre. Ça. Ça, c'était un lien intéressant qu'on va garder. Voilà, on va mettre ça. Ça, ça, ça. Celle-là, on a dit qu'elle était trop lourde, mais je vais vous la montrer quand même. Ça, c'est quoi, ça? C'est la même? Est-ce que ce serait pas la même? C'est la même. Donc, un peu fermé. Ça, ça et ça, mais elle est un peu moche. OK. Allez, c'est parti. Capture. Ce qu'on va faire, on va... Je vais vous capturer tout ça, voilà, ça devrait suffire. Hop, hop, vous ne voyez plus, mais je vais remettre en plus petit. Vous devriez voir comme ça, capture, hop. C'est le bordel dans mon... Ok, alors, ah mais sauf que là... Ah si, c'est bon. Donc, on avait bien sûr celle de Kalitz, qui est splendide, avec un système de rallonge. De ouf malade, elle respire la qualité, mais elle a 1200 euros, 1295. Donc c'est probablement pas celle-là que je vais acheter. Mais regardez, regardez, regardez comme tout respire la qualité. Regardez, regardez le petit oiseau derrière, il respire la qualité. C'est, voilà, c'est... Le Bouddha respire la qualité, c'est, tout respire la qualité autour de cette table. Mais non, le système de rallonge a l'air beaucoup plus stable que le reste, que les autres modèles. Mais bref, c'est beaucoup trop cher. Le deuxième, c'est celle-là. Par contre, il faut quand même avouer qu'elle est moche. Une grosse promo dessus. 529 au lieu de 1085. Ah, du coup, vous voyez pas. Ah, mais c'est le bordel. Ah, il faut faire comme ça. Voilà. Et en plus, on voit pas le modèle où une fois ouvert. Attends. Et on m'en link une nouvelle. Hop.
Non, celle-là, je l'ai déjà, ok. Et... La qualité. Crane, c'est normal, c'est ça. Il te faut ça. Oui, voilà. Je vais prendre ça, ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air parfait. Ça m'a l'air très très bien. Bon, elle est pas trop proche en plus. Bon, 2950, je crois. Ça reste honnête. Ok. 654 854 euros une table, c'est pas si cher. Mince, il y en avait une à ce prix. La transition musicale est un peu brutale. Donc ouais, il y a celle-là, mais elle est quand même très très moche. Ensuite, on a celle-là que j'aime bien. Celle-là, je l'aime bien, je la trouve jolie. Hop, si je fais ça, attends. Voilà. Hop. Le seul problème, j'aime bien le système d'allonge. Le seul problème, c'est qu'elle ne fait que 180 une fois défaite. Ah non, 190 celle-là. Ah, c'est ma préférée celle-là. Elle est livrée en combien de temps? Disponibilité 2 à 3 semaines. Oh. Ouais. Bon, après, il y a celle-là. Qui est la seule qui monte vraiment à 2 mètres. Qui a l'air d'avoir un système qui coule. Mais que je trouve quand même moche. Hein. Est-ce que je suis le seul à la trouver moche? Oh, ça, c'est joli. Avec... Ah oui, non, mais le noir, c'est un tissu qui est rajouté. Mais ouais, non, je la trouve moche. C'est tout laqué. C'est laqué ou laqué. Je ne suis pas convaincu. Oui, je suis allé à Ikea, c'est là que j'ai pris mes bureaux au noir. Allez, on va dire que celle-là, c'est non. Il y a celle-là, qui est jolie. La table plus deux allonges, 495 euros, c'est pas cher. C'est pas cher. Par contre, je sais pas ce que c'est que ce site où on va. Attends, non, non, je veux pas tourner la page. Reviens, reviens. Page précédente. Non, pas première page. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai perdu. Ah, c'est bon, je peux faire ça. Je vois rien. Et du coup... Non, mais hé, le moustique. Le moustique, je suis en live. Tu n'es pas le seul à la trouver moche. Parfait. Niveau des tables que tu recherches, Crane, vu le poids et la taille, tu n'auras jamais des dates de livraison en dessous de 2-3 semaines si tu as de la chance. Et bah, nous avons celle-là qui est en stock. Celle-là, disponibilité en stock. Donc il y a moyen qu'elle soit livraison offerte du 10 au 19 juin. Et celle-là est tout jolie. Elle est un peu plus chère, mais elle est plutôt jolie. Oula, oula, ça pue. Attendez, il y a quelqu'un qui s'abonne en même temps, je vois plus rien. Et c'est Tarenas qui se rabonne pour la 8ème fois. Ma soutien, merci Tarenas, des bisous et bim. Et bim le russe. Merci beaucoup. Là, non mais quand ils disent HD, ils font pas semblant. Attendez. Voilà. Elle est jolie celle-là, elle est simple, elle est jolie. J'aime bien. Avec la rallonge. Le système de rallonge est plutôt cool. Celle-là, elle est bien et elle est disponible. Elle est disponible. Elle est en finition brute du bois d'acacia. Ah, paru vendu. Attends. Table carré ONG 8 chaises avec accoudoir assorti 150 par 150. Il n'y a pas de rallonge. Il n'y a point de rallonge. Par contre, il y a les 8 chaises et c'est 800 euros quoi. C'est dommage, hein. Il y aurait une rallonge, c'était parfait. En plus, elles ont l'air sympas les chaises. Mais ça se trouve, elles sont pas du tout confortables, mais elles sont sympas. 150 par 150, tiens. 800 euros tout compris quoi. Ah oui, mais c'est où? C'est dans le 77, non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Est-ce que tu veux que je te passe le contact de l'ébéniste qui est sur Lyon? Non, c'est gentil, je ferai pas faire une table. Je vais essayer de trouver un truc que je peux commander dans les jours, là. Parce que pareil, si je demande de faire une table, je vais pas la voir dans deux jours, quoi. Salut Astria Spica. Je sais pas si je t'avais déjà dit salut, je sais plus. Ouais, celle-là est chouette. Celle-là est chouette, mais elle est quand même un peu chère, hein, si je voulais pas mettre autant dans une table. Et ensuite, il y a celle-là, mais pareil, je la trouve moche. Non, celle-là, elle est trop moche, je peux pas, c'est pas possible. Donc, on a encore réduit. On a donc celle-là, mais je la trouve moche. Allez, hop. Elle est trop moche. Celle-là, 2 à 3 semaines. Celle-là, qui est normale. Ou celle-là que j'aime beaucoup. Et bien sûr, celle-là, celle qui fait le plus rêver, mais elle est beaucoup trop chère. Donc pour l'instant, je pense que c'est celle-là qui gagne. Je pense que c'est celle-là qui gagne. Salut à The Pit. Salut Hiro. Merci Karine pour cela, grâce à toi je pourrais me détendre avant mon examen de néerlandais pour demain. Mais bon courage pour ton examen. Tu peux la faire toi-même, mais bien sûr. Non, je viens déjà de pas, mais mes cheveux ils sont tout mis n'importe comment. C'est le casque.
Ukraine, c'est moins cher ici et mieux. Qu'est-ce donc ? Les sabres laser. C'est joli. C'est très joli. C'est pas du tout ce que j'avais. Ah non, mais c'est hyper classe. Même l'intérieur est hyper classe. Bon, après, c'est pas des officiels. Mais c'est très beau. Très, très beau. Salut Loïs Gab. Salut Alan, et oui. Pour une table gaming, il te faut forcément 8 chaises d'X-Racer, bien évidemment. Je reviens avec, mais à ce prix-là, tu viserais pas l'Atlanta, elle est moins chère du coup. C'est vrai, mais elle est un peu plus petite. Elle est un petit peu plus petite, donc je sais pas. Maintenant, l'Atlanta, elle est moins... Non, elle fait le même prix avec les rallonges. Alors, c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette table? C'est quoi cette table? 120 par 200. Oui, non, mais voilà, 200 de base. C'est trop grand. Non, j'ai pas vu la conférence EA. Toutes les tables shortlist sont en bois massif et vont peser le poids d'un âne mort. Par contre, ça a l'air d'être de la qualité. 4 par pain, une planche et une scie et c'est réglé. Oui, bien sûr. Et bien sûr, bien sûr. Coucou Xenocross One. Donc voilà, hop. Ça, je vais laisser ouvert. Et celle-là, elle était en stock, c'est ça, hein. Ouais. Faudra que je demande l'avis de Maudit. Et ils vendent les chaises qui vont avec? Non, mais les chaises ont l'air horriblement pas confortables. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que les chaises ont l'air horriblement pas confortables. Et après, le problème de table comme ça, c'est qu'est-ce que je mets comme chaises qui vont avec? Non, pas de jeu. On va pas jouer. Ça sert à rien de jouer. On cherche des tables. Atlanta plus de rallonge, 540 environ. Ouais, mais 4 semaines de délai, vilain belge. Je l'ai acheté il y a un an, ce sable crane, et franchement, c'est de la super qualité. En plus, ce site, c'est des modèles qui sont faits pour faire des combats, car la LED est dans le manche et la lame est extensible, donc tu pourrais reprendre le nunchaku en faisant du sabre. Bah oui, moi, ce que j'aime, c'est que ce soit le sabre d'un personnage en particulier, tout ça. Mais c'est vrai qu'ils sont hyper claques, et ça donne envie. Hein. J'ai gardé le site ouvert, en tout cas. Salut Ryoshin. D'avance, la conférence d'hier, c'était pourri. Ah, un peu cher, mais super grande avec rallonge et top qualité. Non, mais 1644, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Beaucoup, beaucoup trop cher pour moi. 140 par 140 et elle monte à 260. J'avoue, par contre, rallonge de ouf. Beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup trop cher. Hop, hop, on ferme. Ah, c'est encore sur le site ameublement déco, là. Trop cher. Tiens, crayon au cas où, pour le meuble en tout genre, un site de don, donc free, pas mal pour les premiers temps, mais il faut fouiller un peu. Ok, ok. C'est ce dont on m'avait parlé tout à l'heure aussi. C'est discount, tout ça. Ah, bah oui, mais c'est le même style que... Mais il n'y a pas de rallonge, ça, je crois. Je crois qu'il n'y a pas de rallonge. Celle-là, je l'avais vue. 706, par contre, ça fait mal. Table carrée. Les striptease techniques. Non, il n'y a pas de rallonge. Il n'y a pas de rallonge sur celle-là. Point de rallonge. Et elle était jolie. Pas extensible, mais amovible. Tu cherches quoi comme mesure? Du 140 par 140 et qui s'agrandit si possible, genre 2 mètres. Mais attends, je l'ai pas vu celle-là chez Ikea. C'est une 140 par 140 qui s'agrandit? À monter soi-même, bon, c'est normal, c'est Ikea. Alors, je vois pas comment tu peux l'agrandir, par contre. Ou elle est pas moche, en plus. Hein. C'est quoi au milieu? Ah ouais, non, mais il y a un gros... On peut l'enlever, le truc, au milieu? Chiant ça. Ouais, je suis pas fan du truc au milieu parce que si c'est pas entièrement plat, je vais galérer après. Mais sinon, c'était pas cher, mais je vois pas comment tu peux l'agrandir par contre. Ok. Non. La réponse est non.
Si on est bon niveau de table, on passe à quoi du coup au divan? On n'est pas encore bon niveau de table. Hein. Table de salle à manger en être. Qui fait quelle taille? A. B. C. Oui, non, ça va pas du tout. C'est pas une table à rallonge. Ça ne va point. Non, ça va pas. Ça ne va point. Des vertes pour toi. Ah, des verts. Magnifique. Magnifique. Non, non, faut vraiment non, non, je veux une assise irréprochable. Ce délicieux noir blanc indique que tu es dans ton nouvel appart, GG. Et oui, Zoran. Et oui. Par contre, tu es HS, hein, je vous préviens. Je sais pas ce que c'était la musique, là. Bah là, vous avez Xenoblade Chronicles. Avant, vous avez Romance of the Three Kingdoms. Et avant, vous aviez The Binding of Isaac. Grande table et pas de rallonge, donc juste grande table. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Il faut que je sois une petite table de base pour pouvoir la ranger facilement. Ah, ça fait quel... Oh non, mais c'est cher. C'est très très cher. Puis ça fait que 120 par 98. Non, c'est que 98 en largeur, donc ça ne va pas. Et nous avons Zoran. Zoran qui sera bonne pour la 9e fois, 9 mois de soutien. Merci beaucoup. Je sais pas ce que je voulais dire après. Oula, et je frappe le micro. Voilà, bah, merci beaucoup, et bim le resub, je sais pas, je suis trop fatigué. Moi, je propose cette table, Crane, ça irait bien avec ta déco, laquelle? Crane, je suis très content pour toi que tu aies pu enfin déménager, moi aussi je suis extrêmement content pour nous. Hop. Ouais, je pense que c'est elle qui va gagner. Hein. Bah après, si je mets des chaises noires, on s'en fout, non? Celle-là, elle peut être livrée directement, c'est ça qui est beau. Moi, je propose cette table. Allez, vas-y. Ah, magnifique. Magnifique, elle est splendide. Ah, mais vous la voyez pas. C'est pas grave. Ah non, vous voyez pas si je fais ça. Non, bah, vous pouvez pas voir. Tant pis. Tant pis pour vous. C'est un squelette qui tient un truc en verre. Et donc, celle-là, j'ai dit qu'elle montait à 190 ou à 180, je sais plus. 180. Ah ouais, mais non, c'est 180. C'est pas terrible. Oh là là, pourquoi il n'y a pas de bonne solution? Et nous avons Uriel Dono qui se réabonne pour la 18ème fois. 18ème fois, ça veut dire un an et 6 mois de soutien. Merci beaucoup, les bisous, et bim le resub, merci. Yep, Carnage Gaming. Et donc ça, on a dit que ça faisait quelle taille, la table plus 2 allonges? Où est-ce que je vois la description? 140 par 140, 2 allonges de 50. Ah ouais, elle fait 2m40. Non mais elle est parfaite en fait, la table carrée de collection Trinidad. Mais je sais pas ce que c'est, vos trucs de cocktail scandinave là. C'est de la qualité, cocktail scandinave? Parce que c'est pas cher, 495 avec les 2 allonges et les bonnes mesures. Alors c'est quoi ça? Les meilleures tables? Ah, parfait! Les tables de multiplication, merci beaucoup. Oui, celle-là, on l'avait déjà vue et je l'ai retirée de la liste. Mais c'est gentil, Darkfred. Non, mais celle-là, elle monte à 2m40. C'est 2 allonges. Mais j'aimerais bien savoir comment elles se mettent, les allonges. On peut pas voir... table carrée. On peut pas voir comment ça fonctionne, les allonges, là-dessus. Celle-là, elle est pas assez large. On l'avait déjà vu, elle est pas assez large. Okay, on n'a jamais eu de soucis avec cocktail scandinave. D'accord. Alors c'est quoi ça? 499. Alors... largeur 103. Non, c'est pas assez large. Celle-là, je crois qu'on l'avait dit. Non, elle est pas large celle-là. Non, 90 de largeur. Non, c'est tout pourri. Achète la table ronde avec Arthur, ça a l'air bien. Salut Mudraul. T'as réussi à bien t'installer malgré toutes tes aventures. Et on a rien fait de tout le salon, de toute la cuisine, de tout ça. On a juste bien avancé la chambre. Et ici, j'ai mis le bureau, mais c'est tout. Quoi que cette table?
Elle est Kikou. Elle est Kikou, mais elle est pas large, ta table. C'est combien de largeur, cette table? Dimension 4, j'en sais rien. Profondeur 94, non. Elle est rigolote. Elle est rigolote. Mais non. En plus, elle doit se refermer en tout petit. Pas assez large. Les tables scandinaves, c'est du recyclé. Bon, ça, ça me dérange pas si c'est recyclé. Il faut absolument qu'il y ait une extension. Celle-ci est 150 par 150. Ouais, non, il me faut une extension. Il me faut une extension. J'aime ce que tu fais, Crane, et j'aime ton aventure. Merci, Carnal Gaming. C'est très gentil. Très gentil. Donc ça, on ferme. Et celle-là, je crois que je vais être obligé de lui dire non. Oh bah y a moyen, en plus c'est assez lourd. Bah on vit tous les deux, yes yes, donc oui. Bah oui. Ah mais non, mais non. Ah d'accord, c'est la molette qui fait tourner les pages, mon dieu c'est magnifique. C'est magnifique. Et du coup il faut... Tu vois où la disponibilité Retour sur site, cocktail, table carré, collection Trinidad. Mobilier. Alors, salon, séjour, chaise, table et chaise. Alors, tu vas le voir faire. Table et chaise, c'est là. Et tu la trouves comment? Table brocante. Alors, faut chercher Trinidad. Ah, elle est là. Elle est là. Donc là, on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Fabrication artisanale, les dimensions peuvent légèrement varier. Comment ça, les dimensions peuvent légèrement varier? Parce que c'est fait main. Table carré Trinidad. Plus de allonge de 50 par 140. Donc ça, c'est cool. Et il n'y a pas moyen de voir comment... comment elles sont mises, les allonges. Tout à l'heure, je te vois visionner des tables Crane pour toi. C'est quoi la bonne table? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise table. Moi, je pense qu'avant tout, c'est des rencontres. La table de mes rêves. Pourquoi est-ce la table de tes rêves? Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi la saison 2 de cette aventure? Je ne sais pas. Table en noyer massif. Ah, magnifique. Ah, magnifique, splendide. Dimension ouverte 133 par 330. Ah bah c'est grand ça. C'est grand. Longueur 133, largeur 130. Parfait. Ça doit être extrêmement cher. Extrêmement cher. Extrêmement cher. Pourquoi y a pas de prix? Antiquité en France. Ah voilà tout ça. Non mais voilà. Je pense que on joue dans une autre cour. Salut à Abomilo. Et du coup, vous vous êtes démerdé. Comment pour le bureau trop grand, Crane? Mais il est pas trop grand, il est trop petit. La bonne table égale 140 par 140, extension 200. Et c'est ça. Rien, j'ai vérifié, il y a une rallonge de 140 de largeur sur 70 de longueur. Par contre, ça fait un arrondi au bout de la table. Je sais pas si tu dois l'acheter à part, mais j'ai l'impression que oui. Mais ouais. Mais non, mais je te dis, il y a le trou tout ça au milieu. Non. Salut Sam Sam. Tu vas faire de la peinture ou pas? Non. La table en noyer, on dirait la mienne, mais en neuf. Mm-hmm. Non, mais celle-là, elle est bien, elle est jolie. Hein. Ah, je vois une maudite en dessous. C'est simple, c'est... Elle est pas mal. C'est livré en combien de temps? Il est où le bouton acheter? Tu achètes comment? Je veux pas acheter, je veux simuler. Les tables se multiplient sur le chat, mais moi je vais rentrer dans ma période de sommeil. Bon, si je suis crevé là, je vais pas tarder. C'est quoi ça? Mais non, mais c'est trop grand ça. Et c'est pas large. Mais c'est quoi ce que vous me linkez? 1368 euros en plus, vous avez pas honte?
Tu vas faire la partie, oui. Et oui. Faut les contacter, Cocktail Scandinave, d'accord. Ouais, je vais les appeler, on va voir. Bonne nuit, Rumbots. Merci pour le cadeau. Empoisonné. J'espère que je m'amuserai dessus. Simuler, c'est mieux qu'acheter. Je pense que tu as les moyens grâce à l'argent des dindons. Fais-moi voir. Ah bah bien évidemment. Entre 20 000 et 40 000 euros. Fermé. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu. C'est magique. Regardez, regardez. Attention. Attention. C'est magique, hein. Vous allez voir. Oui, cette classe. Cette classe. Et nous avons Galadi, Galadi qui se rabonne pour la 16e fois, 16 mois de soutien, c'est très très long, merci Galadi, bisous et bim. Et bim le resub, merci. Bref, voilà. Fais le bon choix, merci. Ça va Minouche? Bah ça va, je suis totalement HS, je suis en train de mourir sur place. De toute façon, c'était pour vous faire un petit coucou. Et pour vous m'aider à trouver une table. Donc on va garder celle-là. Table carré Trinidad, c'est limite celle qu'elle est... Elle est pas chère. C'est la moins chère et... Ah, est-ce que... Ça y est, il pleut. Il est ouvert dans la chambre? Je vais le fermer. Je reviens. Et me revoilà. La table transformer, c'est ça. Et donc celle-là, j'avais dit que je l'aimais bien, mais elle fait que 190. Et elle est disponible 2 à 3 semaines. Bon bah je sais pas. Tiens, Crane se lève sans couper sa caméra maintenant, et oui. Molly est avec toi, elle est en bas. C'est marrant, je peux regarder. Elle fait la vaisselle, voilà. Donc elle le dit bien pour que vous ayez l'impression que je l'exploite. Salut Kerpsolem. Ça va 190. Playmobil, table et chaise. Ah parfait. Parfait, exactement ce qu'il me fallait. Parfait. Au pire, le bon coin, c'est ouf. Dans le 74, oui, pour aller chercher une table, ça a l'air bien. Ça a l'air très très bien, d'ailleurs. On entend vachement bien depuis la cuisine. Vas-y, parle, Maudit. Là, vous avez entendu? Elle parle très fort, par contre. Non, mais celle-là, je l'ai vue, mais je la trouve très très moche. Je la trouve extrêmement moche, cette table. C'est bien que tu l'exploites et que tu la bats un accident. Oui, c'est pas très très drôle déjà. Et en plus, hein, le plus violent des deux avec l'autre, je vais pas dire qui c'est, mais voilà. C'est les accidents, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Maudit est la douceur incarnée dans ses gestes. Il va falloir hypnotiser Crane pour qu'il achète la table Transformer. Non, ça va pas être possible. Je pense que le paiement ne va pas passer. J'ai la table à 190 balles. J'ai pas vu le CV. Tu connais les meubles open source, tu télécharges des plans qu'ensuite tu utilises pour découper ou faire découper le bois. Suivant ce plan, il y a des designs que tu trouverais pour des milliers d'euros. Si tu connais quelqu'un qui a un atelier ou une machine à découper, tu t'en tireras pour presque rien. Ouais, mais je sais pas faire un truc avec un système de... Avec un système de... Comment ça s'appelle? De rallonge, c'est ça le problème. On entend à peine. Ah! Bon, c'était bien drôle les blagues sur les tables, mais j'espère que tu vas arriver à trouver ton bonheur, Crane. Mais je vais me coucher, bonne Yonra. Je peux t'envoyer un lien pour que tu jettes un oeil, bien évidemment. Ça va, je suis crevé. Alors, Crane, mais ça va. Rien à voir, mais vu qu'on parlait à un moment de Star Wars, il y a eu cette lampe Ikea qui fait parler d'elle. Alors, attends, pourquoi elle fait parler d'elle? Style étoile de la mort, j'avoue qu'elle est plutôt classe. Ah, j'avoue, c'est joli. C'est très joli. Bon, par contre, le vert à l'intérieur, je suis pas fan. La même chose sans du vert. Blanc turquoise, blanc orange.
Ouais, avec l'orange. C'est joli, dis donc. C'est joli. Moi, j'aime bien aussi. Unicameos. Crane situé à des systèmes de rallonge hyper simples. Mobile plein source. Bon, bah, on regardera. D'accord. Ok, ok. Bon, par contre, je suis en train de décéder sur place. Je vais donc faire un live court ce soir avant de m'effondrer. De toute façon, j'ai rien de prévu. Il n'y a rien qui marche encore. Je vais essayer de... Ah, demain. Demain, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. J'ai reçu un message de Nico. Ok. Quand le prochain live, bah ce soir normalement, je sais pas. Le truc c'est que je sais pas ce que je peux faire. Comment je peux faire? J'aimerais bien avoir l'éclairage, j'aimerais bien. Non, profondeur 90, c'est non. Tu cherches une table à rallonge papillon, je sais pas ce que c'est les rallonges papillons. Je n'en ai aucune idée. Moi j'aime bien ce système là, je trouve ça génial. Ça très sympa. Après, ça reste la table de Kalitz qui fait la plus rêver. Mais j'ai quand même hâte de savoir quel système de rallonge ils ont. Mais pour le prix, je pense pas que ce soit un truc hyper stable. Je sais pas. Ça doit être des barres. Je vois qu'il y a des trous là. Ça doit être des barres qui se rajoutent. Donc c'est pas tip top. J'aimerais bien une rallonge au centre. C'est pour ça que finalement... Attends, c'est où? Attends, j'ai un million de trucs d'ouvert maintenant. Finalement, ça en 190, c'est pas si mal. Elle est à combien? C'est la 572 en plus. C'est pas... Je sais pas, je verrai avec Modis qui lui plaît aussi. Même si il va me dire qu'il s'en fout. Mais bon. Bonsoir Lambe le Pingouin. On te l'a déjà demandé centaines de fois, mais quelle est la playlist YouTube que tu utilises pour la musique? Supradarky. Supradarky. T'as plus de piles, Crane, faut les recharger, oui. Je suis HS. Bon, en tout cas, la connexion est stable. Je vais regarder si on a perdu une petite... Non, zéro, hein. On a eu zéro drop. Connexion top stabilité à 3500 de débit en 720p 60 fps. C'est parfait. Bonsoir, là, autour de Crane Live. Bon, voilà une bonne nouvelle. Oui, mais Crane, il va encore avoir besoin de s'installer. Bon allez zou, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très bonne nuit avant de dormir sur la chaise. Normalement on se retrouve ce soir, mais vu qu'on est encore en train d'aménager et qu'on en a pour un moment, tout dépend de ce qu'on fait, ce dans quoi on est lancé. Attends, je vais enlever ça parce que c'est un petit peu plus à rien. Hop, voilà, hop. Ok, on est bon. Et merci pour les dindons, merci pour les abonnements, merci pour les réabonnements. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous à ce soir pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde. Alors, il est où le texte de bonne nuit? J'ai rien prévu du tout. Et oui, pour ceux qui veulent bien, je vais lancer 3 minutes de publicité. Les publicités de fin de live, vu que je n'en mets pas pendant. Bah, si vous voulez soutenir par ce biais, c'est toujours cool. Voilà, bonne nuit. Je me cache ensuite. Vous ne me voyez plus dans un instant. C'est bon. Bonne nuit tout le monde. Bisous. Ciao, ciao.